Laetitia Hallyday enchaîne les mauvaises nouvelles. Après un séjour à la clinique du millénaire de Montpellier, elle y est entrée le jeudi 24 mars, la veuve de Johnny Hallyday a appris qu'elle souffrait d'un mal très handicapant et difficile à soigner. Selon les informations exclusives de Closer à retrouver en kiosque vendredi 1er avril 2022, la jeune femme, qui a fêté ses 47 ans le 25 mars, est hélas atteinte d'arthrite goutteuse chronique. Cette maladie est une forme d'inflammation polyarticulaire qui touche autant les membres supérieurs que les membres inférieurs et peut notamment causer de violentes douleurs voire, à terme, des déformations. Pour supporter au mieux ces symptômes et limiter la progression de la maladie, Laetitia Hallyday devra s'astreindre à un lourd traitement médical associé à un régime alimentaire adapté. Laetitia Hallyday déjà hospitalisée. Pour rappel, Laetitia Hallyday avait déjà dû être hospitalisée en catastrophe le 21 mars durant son séjour à Paris. Comme Closer vous le révélait la semaine dernière, elle était victime d'hypokaliémie. Son taux de potassium était anormalement bas et avait été révélé par une prise de sang. Épuisée mais hors de danger après 24 heures en soins intensifs, la maman de Jade et Joey avait pu prendre la direction de l'Hérault, dans le sud de la France, pour se reposer auprès de sa famille et de ses amis. Heureusement, Laetitia Hallyday peut également compter sur le soutien de son amoureux Jalil Lesper, toujours aux premières loges et toujours aux petits soins. Loading Widget.